La réactivité des services d'intervention dans ce tunnel emprunté quotidiennement par les bus. Il semblerait que l'appel soit à 10h14 et que le premier véhicule arrive en bas 19 minutes après, ce qui est trop long. On va regarder pourquoi et c'est comme ça qu'on s'améliore. Cet exercice demandé par la préfecture a également permis de tester les nouveaux équipements du tunnel, comme le système de désenfumage ou les issues de secours. En novembre dernier, le tunnel du Lioran